fois, quand tu passes de l'anglais au français, est-ce que ça t'arrive d'avoir des bugs? Ça m'arrive d'avoir des bugs, surtout quand je fais pas de son de système pendant un petit moment. Après c'est pas forcément dans le passage du français à l'anglais, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de mots d'anglais dans mes textes, c'est le jargon des sons de système. Sinon, on va dire que je suis quand même plutôt un DJ francophone. C'est pas là qu'est ma difficulté. La difficulté, c'est qu'effectivement, j'écris quand même beaucoup et que quelquefois, effectivement, je m'y perds un petit peu. C'est quand même plutôt du français. Alors après, bah, je sais, enfin, ouais, après, je, enfin, bon, je sais pas comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce que les gens le reçoivent. J'essaie aussi de développer des sujets qui sont importants. Donc, vu que c'est plutôt nationalement que ça se passe, j'essaie d'écrire plutôt en français. Et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment parler ni anglais ni yardi. J'ai beaucoup de lacunes à ce sujet. Mais bon, Donc, il faudrait t'y mettre. En vrai, j'aime bien la petite niche dans laquelle je suis, ouais. Même si c'est super de pouvoir y en sortir. Mais déjà techniquement, je trouve que la réception est bonne. J'étais quand même, je suis quand même. Bien accueilli par le public. Le nom n'est plus à faire, quoi. Bah ça, c'est vrai que c'est bien. Ça, on est content. C'était un petit peu le challenge et on est content que ça puisse s'être passé comme ça, surtout dans cette période où on n'était pas sûr de notre coup. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.